Salut Kiki. Les speedruns, c'est la route plate et lisse et large, c'est chiant. C'est beaucoup plus funky sur ce genre de terrain, avec un tout-terrain bien évidemment. On a le Lozi 5T, le GPS est dessus, on va le démarrer tout à l'heure. Avec le Mad Max 20, le moteur Leopard 57 par 113, 870 kV, on a 12 S à bord, 6500 HV DXF compact. Et on est étagé en 21-57 ou 54, 21-54 à la place de la dernière fois. Souvenez-vous, on a fait le premier run en 14 sur la couronne d'origine qui est 57 avec un 530 kV. On a aussi passé 890 kV, toujours avec ce même rapport transmis. Et là, on est en 21 sur 54. On va démarrer la bestiole, si elle veut bien. C'est quoi ton problème? Ah, c'est de la merde ces trucs. Ah, c'est parce que j'avais pas enregistré. Ok, 98, hop là. Ah oui, j'ai pas choisi. C'est pour ça. C'est moi, c'est moi. Ok, là ça enregistre. On va y aller tout cool, hein. On va laisser chauffer les batteries, on va s'habituer un petit peu au terrain aussi. Là on va partir le plus lentement possible. Regarde, c'est le seul petit cogging qu'on a au démarrage, et encore parce qu'on y va vraiment plus que lentement. L'autre raison pour laquelle je suis là, c'est que quoi qu'il arrive, je peux l'envoyer dans le champ, tu vois. Si on perd le contrôle ou quoi que ce soit, je déquille rien ni personne. Alors on est hors de portée. Mais non. Tu rigoles? Si. Batterie chargée pourtant. Voilà. Ah, c'est un peu limite là, hein. Ça c'est fou ça. Ok. Ouais, elle est cool, hein. Ça c'est un mi-gaz sur la gâchette, ça veut pas dire que c'est plein gaz sur le véhicule. Enfin, un mi-gaz sur le véhicule. Généralement c'est déjà beaucoup plus. On va aller voir juste pour rire. En démarrage aussi, par rapport à un Max 4, le problème des variobing, je vous l'ai montré, c'est que là, il descend à mort l'ampérage. Alors que lui... non. Lui, libre. Hein. On va juste faire une petite lecture pour rigoler. On n'est pas trop mal sur la ligne droite, faut juste que je me place bien. Alors, stop. Alors là, déjà, on était déjà à 97. Alors, on met en route. Ok. C'est parti. Faire gaffe aux piétons, là. C'est marrant que j'ai des coupures comme ça, là. Ça va. Pensez toujours quand vous faites ça aussi, hein. Là, je connais le gars qui est dans le tracteur, donc je suis passé. J'en ai profité en fait pour venir lui demander, parce que c'est des chemins que t'as pas le droit d'emprunter normalement en voiture.
Donc je vais lui demander. Avant qu'il aille bosser, il m'a dit il n'y a pas de souci tant que je reste sur la route. Je lui dis ça, c'est pas sûr. Hein, on perd le. C'est fou ça. On va essayer de l'autre sens. C'est pas grave, on le laissera filer hors portée. C'est débile, tu vois, là j'en ai encore maintenant. C'est marrant ça. T'es juste pas arrivé. Ah, attention à la piétonne. Alors bien sûr, c'est un étagement qui permettra pas de rouler tout un pack, hein. Ça va être chaud. Oh, que c'est chiant. Pourquoi j'ai filé mon vieux GPS 117. On n'était pas à Donf, hein. Donc on va recommencer. Hop, c'est parti. Bonjour. Vous savez qu'à Nifer, il y a une piste. Vous êtes déjà allé à Nifer? Oui, à Nifer, oui, mais on roule souvent le dimanche matin là-bas avec. Voilà, ouais, parce que je sais qu'il y a plein de. C'est nous. Ah, c'est nous. C'est nous. Là, c'est juste que je cherchais une belle ligne droite pour. Il y a très peu de monde. Bah justement, je suis allé lui demander avant, il a dit il n'y a pas de souci. Moi, bah, je préfère toujours demander. Bon, merci, monsieur. Merci. Ah, bah voilà. Je m'approche. Voilà, de ce côté, oh, vous en faites pas, j'y vais doucement. Ça va, vous êtes bien visible. Vous êtes bien visible en rose. On va droit, on va à gauche ou à droite. On va attendre. Ah, c'est Nicolas. Dès que tu mets plein gaz, ça part. C'est chaud. Ouais. Bon, on est pas mal dégagé. C'est chaud de le garder en ligne, hein, avec les diffs. Là, on a des huiles assez détendues encore. On a les pneus qui ballonnent. Vas-y, tape le oui. Ça, c'est fatal, mais c'est pour ça qu'on est dans le champ. Ouais, c'est sûr, hein. Si la gendarmerie nous dit on bloque l'autoroute, vas-y, on va pas dire non. Alors là, on va vérifier qu'on ait toujours le GPS, que les batteries soient toujours bien en place, que rien n'ait bougé. GPS dessus, batterie, rien n'a bougé, température, des étagements pareils, faut se méfier. Ça chauffe, mais ça va. On a la main dessus, tranquillou. Hein. Bon. On va vite voir ce qu'il nous raconte. Je pense pas qu'on a fait mieux qu'avant. Hein.
pour l'instant. Tu vois, on n'arrive pas à mettre plus, on perd le contrôle trop vite. La marche arrière il aime pas. Ah, on a débranché un câble moteur, stop. Et oui, et oui. Ou pas bien, celui-là il a du jeu. Ça c'est pas bon. Ça c'est un coup à se retrouver sans frein, sans rien. Alors. Ok. Et là tu vois aussi hein, que le vario il sature pas du tout. T'es presque à fond, tu mets le reste, le machin il monte. Vent dans le dos, ça monte aussi. Ça lui a sorti la cosse aussi. Ouais, je vous reprends tout à l'heure. De toute façon, comme dit, on n'arrivera pas à dépasser les 120-130 ici. Faudra quand même qu'on se trouve un bout de route. Hein. Bon, en fait, on a perdu la coupelle d'amortisseur arrière. La chape s'est dépopée. J'ai récupéré le ressort, mais pas le reste. Ah, c'est dommage. On commence à chauffer là. Parce que là-bas, il y a une petite bosse sur la route. Ça aurait été top. Hein. Bon, on a fait un petit provisoire, on a changé de spot, on va pas rester sur la route. On va tracer dans l'herbe. Pas forcément en VMAX, le provisoire est vraiment limite. Mais j'ai envie de voir un petit peu niveau chauffe et batterie ce qui se passe. C'est quand même débile avec ce vario, avec un rapport pareil et un moteur avec autant de KV. Il galère vraiment zéro à lancer la bestiole. Le truc de ma boule. Voilà, l'air, bon, ça sera plus facile, hein. On aura plus de résistance, mais... le bruit. Alors là on va sur place, pourquoi? Parce qu'il y a le GPS qui était sur la carrosserie, donc on va voir si il est bien resté là où il était. On a un provisoire à l'arrière, on n'a pas envie de récupérer le ressort. C'est pour ça aussi tu vois que des VMAX élevés en TT ça sert à que dalle, tu vois. À mi-gaz là il passe tranquille sur le champ. Plein gaz, t'as vu? Ah bah oui, en plus j'ai pris la seule motte en plein milieu. Ah, c'est sauvageon. Alors, le GPS est parti, le ressort est parti, le pare-choc arrière est parti. Bon, c'était violent, hein. Alors. On va déjà vérifier si le GPS n'est pas resté quelque part dans le véhicule, il était là. Tout fonctionne sinon. On a décollé de là-bas et on a impacté là. Après sur la petite caméra pour regarder les images sur l'écran. Voir ce qui s'est passé, ça va être chaud.
Tu vas pas me dire que c'est ça qui m'a fait décoller? Non, je vais pas rouler dedans, c'est tout mou. Donc quoi, j'ai tapé pour partir. Tu vas me dire qu'on a fait... Faut que je regarde moi-même la vidéo. On a décollé là-bas alors? On a tapé là? Et on a fini là-bas? Non. La vache, ah oui, ça fait une sacrée gamelle quand même. Hein. Ah ouais, c'est ça qui a dû nous faire décoller là. On a tapé le cul. On a survolé. Et on a rebondi. Je vais laisser la caméra allumée comme ça, croquercé. Avec ses yeux de lynx, il pourra me dire où est le GPS quand on fera la vidéo. Moi, je vais chercher un petit peu. Hein, parce que bon, c'est dommage, puisque si je l'ai pas, je peux pas vous donner la vitesse. Vu de nez, on était à facile plus de 120. Hein, dans la courbe avant, là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. C'est pas son jour, lui, aujourd'hui.